Là où le stationnaire et du vent qui passe onshore en cette fin de matinée sur la Canoro, bonjour à toutes et à tous. On a un temps désagréable, gris, couvert, pluvieux. Par contre, il fait doux. La température extérieure est à 14 degrés, celle de l'eau à 15-16. Cet après-midi, un temps couvert, pluvieux, une température à 15-15. La marée est actuellement en train de monter. Le plan haut est à 14h20 avec des petits coefficients de 56. Et sur cette marée qui monte, le vent est onshore avec un secteur sud-ouest soutenu à fort. 4 symboles fort établis, des rafales à 5-6, clapoter, moutonner le plan d'eau, les phases de vagues sont ridées, puis la houle est multipique et longue avec 13 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest, elle est stationnaire en taille là, par rapport au début de la journée, toujours dans les 3,20 m, 3,30 m en moyenne sur la bouée du Cap Ferret, ce qui donne en termes de taille de vague, c'est peut-être un peu moins gros avec la marée qui monte là, ça amortit un peu les vagues, il y a 2,30 m en déferlement régulier, 2,80 à 3 mètres sur les séries qui rentrent fréquemment. Et les grosses séries, il faut les attendre un peu plus, mais il y a encore un petit 3,50 m de ci, de là. C'est claqué, c'est moche, c'est pourri, ça se balade sur la plage. Pas de surf, pas d'action. Même avec de la mobilité, ce n'est plus bon. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va grossir gentiment là sur les coups de 13h. Puisque la bouée Arcachon-Gascogne a perdu de la période, elle a gagné un peu de taille, elle tourne dans les 5 mètres et 10 secondes. Ce matin, c'était 4,51 m. Et on attend plus de taille cet après-midi ce soir. Les prévisions. À 13h, c'est 3 mètres, 3,50 m, tout d'ouest à ouest-nord-ouest, 13 secondes de période, vent de sud-ouest, 4,56 m. Et à 17h, 3 à 4 mètres, ou d'ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période, vent d'ouest, 5,67 m. Du surf et de l'action non praticable, et cela jusqu'à ce soir. Prochain point, demain matin.